Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette petite capsule pour une petite explication sur le tarot, la sagesse des anges, qui est un magnifique tarot de Valentine Radlegg. On y retrouve la structure de base, n'est-ce pas, en 5 suites, et les deux sections principales qui sont appelées arcane mineur et arcane majeur, mais ça vous connaissez déjà. Alors, petite question, savez-vous ce que signifie le mot arcane? Eh bien, cela signifie mystère. On parle ici des moyens miraculeux et mystérieux par lesquels, l'univers apporte de la magie dans nos vies, n'est-ce pas? Et les arcanes majeurs forment à eux seuls une suite composée de 22 cartes, où certains appellent aussi des lames et qui se concentrent plutôt sur les événements majeurs de la vie. Et nous avons les arcanes mineurs qui se composent de 4 suites, comme dans le tarot ordinaire, n'est-ce pas? Et les arcanes mineurs ont tendance, à refléter les activités au quotidien de la vie. Traditionnellement, les suites des arcanes mineurs sont appelées bâton, coupe, épée et denier. Ici, Valentine a remplacé les anciens noms par les 4 éléments, c'est-à-dire le feu pour les bâtons, l'eau pour les coupes, l'air pour les épées et la terre pour les deniers. Et chaque suite est composée de 10 cartes numérotées de l'as au 10 et de 4 cartes habillées qui sont évidemment les valets, cavaliers, dames et rois. Et chacune fait référence à une personne, une situation ou bien vous-même, n'est-ce pas? Chaque suite a des domaines particuliers. La suite de feu parle de créativité, de passion et de carrière. Par contre, la suite d'eau est liée, elle, aux émotions et à l'intuition. La suite d'air, elle est pour sa part associée à l'intellect et elle peut également refléter nos inquiétudes et nos peurs. Le mental ayant souvent un esprit tendance à se concentrer sur le négatif, n'est-ce pas? Certains d'entre vous vont se reconnaître. Et enfin, on a la suite de terre qui parle des aspects matériels de l'existence, comme l'état des finances ou les moyens de gagner sa vie et de subvenir aux besoins de la famille. La particularité de ce tarot est que chaque carte est associée à un archange qui apparaît ou non, n'est-ce pas, sur l'image. Et sur les arcanes mineurs apparaît un numéro qui représente l'arcane majeur du tarot. Voilà cette petite explication. Prenez soin de vous dans la douceur. À tout bientôt. Beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mercredi 17 avril 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Petite philosophie pour ce matin. Si les événements ne tournent pas comme on le souhaitait, il faut réfléchir à la meilleure façon d'en prendre son parti et tenter de retourner à son avantage une situation inattendue. Aujourd'hui, j'ai encore pigé dans la suite de feu, et c'est le 10.
Le 10 de feu, donc on est toujours dans la suite de feu qui parle de créativité, de passion et de carrière. Et vous pouvez voir en bas à gauche, c'est les initiales de l'archange Michaël. Michaël est l'archange à appeler quand, eh bien, quand on se sent en danger, n'est-ce pas ? Il est réputé pour nous protéger et il est là pour nous protéger et aider à calmer nos peurs. Et Michaël, il est armé d'une grande épée de lumière qu'il utilise pour rompre les liens énergétiques indésirables avec le passé ou encore avec les personnes, eh bien, que vous avez besoin d'écarter en toute sécurité et avec amour, n'est-ce pas ? Si vous manquez de confiance en vous, ou si vous avez du mal à définir vos objectifs de vie, eh bien, c'est lui qu'il faut appeler, c'est l'archange Michaël. Il est reconnu pour améliorer, pour vous venir en aide lorsque vous êtes en danger. Alors, le 10 de feu, le 10 de feu, pour certains d'entre vous, eh bien, vous travaillez trop dur. Peut-être êtes-vous au bord de l'épuisement, au point que même des broutilles vous énervent et que vous vous en prenez aux autres. Vous êtes au bout du rouleau pour certains d'entre vous. Peut-être est-ce dû au fait que vous cumulez plusieurs emplois ou que vous devez jongler avec les responsabilités professionnelles et familiales. Eh bien, le 10 de feu, il vient vous dire qu'il vous faut impérativement retrouver l'équilibre. Il vous invite à dresser la liste de toutes vos responsabilités pour chercher celles dont vous pourriez vous dégager ou vous alléger. Donner la responsabilité, quelques responsabilités aux autres. Peut-être qu'il serait bon pour vous de faire une pause et veiller à recharger les batteries. Est-ce que vous dormez assez? Là aussi, il faudrait peut-être que vous dormiez un peu plus. Attention, parce que cette carte, elle peut aussi dire qu'il y aurait, pourrait indiquer quelques soucis de santé dus au surmenage ou au stress. Peut-être peut-être que vous êtes blackout, voilà, un burn-out, peut-être que, voilà, au surmenage et au stress, peut-être qu'il y a un burn-out qui n'est pas loin. Donc prenez soin, n'est-ce pas, de vous, prenez soin de votre santé. Parce que, vous savez, si maintenant vous faites un burn-out, c'est fini. Vous ne savez plus faire tout ce que vous faisiez. Donc il faudrait peut-être alléger. Dresser cette liste, c'est important pour vous. N'oubliez pas que le tarot vous donne des outils. Et c'est à vous à prendre les décisions. Il vous donne un outil. Et vous avez votre libre arbitre. Mais encore une fois, une santé, on n'en a qu'une. Alors, vous êtes peut-être sollicité par beaucoup de personnes
Vous avez besoin d'un équilibre dans votre vie. Donc, il serait bon de laisser quelques responsabilités. Voilà. Alors, cette belle carte sagesse, n'est-ce pas, qui est représentée par, quand vous voyez la carte en bas à droite par le chiffre 15, 15 qui est le diable dans le tarot de Marseille, c'est l'ego. Alors l'ego, il vous dira évidemment que vous devez travailler très dur et ne pas demander de l'aide. Eh bien non. Ne suivez pas ce que votre ego vous dicte. Vous devez avoir le dessus sur l'ego. Demandez à l'archange Michaël de vous libérer de cette croyance erronée. Demandez à ce bel archange de vous aider. Et mettez votre ego sur le côté. Ayez le dessus sur cet ego qui vous demande, n'est-ce pas, pour sa gloriole, de tout contrôler, de tout faire vous-même. Voilà, ça parlera à certains, ça ne parlera pas à d'autres encore une fois, n'est-ce pas? Soyez bien à l'aise hein, pour prendre ce que cette lame vous dit. Je termine par l'affirmation positive. Et l'affirmation positive pour aujourd'hui, je me donne le pouvoir de créer la vie que je souhaite avoir. Je me donne le pouvoir de créer la vie que je souhaite avoir. Ben voilà. Je me donne le pouvoir, et pas votre ego, de créer la vie que je souhaite avoir. Alors, je vais encore appuyer là-dessus. Faites attention à votre santé, au surmenage et au stress. Ça pourrait vous jouer des tours. Voilà, ça c'est une information qui vient de moi, mais que je ressens très très fort. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse, à demain.